Vous voulez qu'on parle des difficultés à l'école? Parlons des difficultés. Ah non, non, non. Vous répondez à mes questions. Ouais, mais moi d'abord. Là, j'ai une question, vous m'avez pas répondu. Vous m'avez répondu qu'on avait un problème à en parler. Apolline de Malherbe, moi, je vous pose je la question, que qu'est-ce que vous pensez du fond? Donc, c'est pas vous qui allez décider ce que je vais dire, ce que je vais dire à ma place. Des professeurs désarmés devant ces lycéennes. Aucun de ceux que nous avons contactés n'a accepté de nous parler face caméra. Mais sous couvert d'anonymat, ils nous affirment que volontairement ou non, les élèves qui portent l'abaya font peser une pression sur l'ensemble de l'établissement. Il arrive que certaines élèves fassent des remarques à des enseignantes, surtout l'été, lorsque les bras sont découverts. La mixité au sein du lycée est de plus en plus compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que, comme chaque année, quand on a envie de détourner l'attention sur des sujets sociaux qui sont au cœur de l'actualité, on cherche à inventer une nouvelle polémique c'est pour inventé, s'en prendre aux musulmans. C'est inventé, bah, ce je ne sais pas si c'est parce que je vous dis pas que le témoignage est inventé. Je trouve que l'écho médiatique que vous donnez à ce sujet me paraît totalement disproportionné. Je ne sais pas si vous n'avez pas trouvé de piscine cette année ou de plage pour parler des burkinis, donc vous avez trouvé les abayas. Et je pense que les musulmans de ce pays, ils en ont marre de servir de chair à canon médiatique. Vous voyez, donc de la chair à canon. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ce que vous faites en permanence. Et je pense que c'est assez insupportable. Maintenant, on va parler. Non, mais je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que je suis pas obligé. Si on en parle, c'est uniquement pour en faire de la chair à canon. Je pense que vous donnez un écho médiatique à ces polémiques qui me paraît totalement disproportionné. Vous avez entendu la jeune fille, elle a quand même dit on est 16 ou 18. Je vais répondre à vos questions. Vous voulez qu'on parle des difficultés à l'école? Parlons des difficultés. Ah non, non, vous répondez à mes questions. Oui, mais moi d'abord. Là, j'ai une question, vous m'avez pas répondu. Vous m'avez répondu qu'on avait un problème à en parler. Apolline de Malherbe, moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez du fond? C'est pas vous qui allez décider ce que je vais dire à ma place. Ce que je pense du fond, il y a une loi, elle a été votée en 2004. Une loi qui interdit les signes religieux ostentatoires à l'école. Il faut que cette loi soit appliquée, tout simplement. Donc, cette loi, elle s'applique, elle est appliquée aujourd'hui. Sur la situation des abayas, si j'ai bien compris l'application de la loi, lorsqu'une jeune fille arrive avec une tenue de cette nature, il y a une discussion entre elle et les directeurs d'établissement pour discuter avec elle de savoir si le port de ce vêtement correspond à une motivation religieuse ou pas. Et ensuite, les directeurs d'établissement considèrent si c'est le cas ou pas. Si c'est le cas, ils lui disent que ce n'est pas possible parce que ça ne respecte pas la loi. Et si ce n'est pas le cas, ils en restent là. Voilà. Et donc, je pense que cette loi doit être appliquée. Maintenant, puisque j'étais en train de vous dire ça et que je peux dire ce que je veux aussi sur ce plateau de télévision. Quand vous dites que la loi doit être appliquée, comme vous le savez, il y a évidemment une question qui est sur l'interprétation de la loi. Lorsqu'il y a 3-4 cas, en effet, comme vous dites, il n'y a pas de problème, les discussions se font. Ce que disent les professeurs dans le cas de ce lycée, le proviseur, c'est que quand il y a davantage, et la jeune fille elle-même dans son témoignage dit sur 30 élèves, on doit être 16 ou 18 à porter l'abaya, vous comprenez bien que c'est difficile de discuter avec chacun à l'entrée chaque matin. Est-ce que ça vous l'entendez ? Mais je comprends que ça puisse être difficile, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Je ne sais pas, justement, est-ce qu'il ne faut pas clarifier la loi ? Mais comment vous allez les clarifier ? Comment vous allez déterminer qu'un vêtement ample, parce que c'est une abaya, c'est un vêtement très ample, est un vêtement religieux. Vous allez le déterminer par des critères. Alors, comment c'est ce que vous dit le recteur de votre académie. Hein. Je l'ai reçu ce matin sur RMC, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Il a eu ce propos très précisément à mon antenne. Il a dit l'abaya, c'est porter l'abaya, c'est manifester ostensiblement une conviction religieuse que la jeune fille cherche à imposer. Est-ce que pour vous, ça doit être purement et simplement interdit, du coup, à partir du moment où on porte... Non, ça, c'est son point, ça, c'est son point de vue. Et... Non, c'est pas un point de vue. Hein. Il est recteur d'Aix-Marseille. Il a dit ça, c'est pas parce qu'il est recteur d'Aix-Marseille, Apolline de Malherbe, qu'il n'exprime pas des points de vue. Donc, pour vous, c'est pas une tenue religieuse. Non, mais attendez, c'est un point de vue. Vous êtes d'accord, c'est son avis. Il a le droit de le donner. Je non, c'est la règle. Lui, il dit que c'est la règle. Après, vous pouvez dire que c'est un point de vue. Lui, il dit que c'est la règle. Je ne connais pas toutes les jeunes filles qui viennent à l'école avec une abaya. Je pense qu'elles ont des motivations très différentes. Je pense que ils n'ont pas des motivations religieuses. Certaines peuvent avoir des motivations religieuses, d'autres peuvent avoir d'autres formes de motivation. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de rencontrer ces jeunes filles et de discuter avec elles? Ça peut être quoi les autres motivations? Je ne sais pas, il faut en discuter avec elles. Non, mais puisque vous dites qu'il y a d'autres motivations, c'est quoi les autres motivations? Mais je crois que toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet, j'ai vu des syndicalistes de l'enseignement, par exemple, hier dans la presse, qui se sont exprimés sur ce sujet et qui disent, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est leur propos, que par exemple, il peut y avoir des jeunes filles qui veulent venir avec un vêtement ample parce qu'elles n'ont pas forcément envie qu'on voit les formes de leur corps, etc. Ça peut exister aussi. Il y a aussi une autre question qui est la question de l'égalité homme-femme. Et il y a des professeurs qui ont précisé que ces mêmes jeunes filles, c'est-à-dire celles qui portent la baya, sont aussi des jeunes filles qui
qui refusent parfois la mixité, qui refusent y compris d'assister à des cours sur la condition de la femme, qui préfèrent avoir une sanction que de devoir dire, de devoir écrire sans doute dans leur copie que les femmes sont l'égale des hommes, qu'il y a une question sur... Mais ça, c'est pas possible. Ça vous intéresse pas? Qui est peut-être un lien entre le port de ce vêtement et la question du positionnement de la femme par rapport à l'homme, de l'égalité homme-femme, malheureusement, de l'avenir de ces jeunes filles, sur le plan du travail, sur le plan d'égalité avec les hommes. Les gens qui ont des problèmes avec l'égalité femmes-hommes dans ce pays, ça se réduit pas à des personnes qui peuvent porter des abayas. Ah bah ça, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Qu'il y ait des cours. Simplement, moi, j'ai pensé que vous étiez toujours du côté de l'émancipation. Ben, je le suis, du côté de la je crois, je le suis, mais je crois pas que l'émancipation, ça soit de commencer à déterminer à partir de quelle ampleur du vêtement ou longueur de la jupe. Non, mais par contre, la question de l'égalité homme-femme. Attendez, laissez-moi terminer quand vous me posez une question, sinon c'est compliqué pour les gens qui nous écoutent. Je crois pas que être dans le sens de l'émancipation, c'est déterminer à la place d'une personne quelle doit être exactement la tenue qu'elle porte. Et je dis attention à cette logique. On va pas faire la police du vêtement. On va pas faire l'Iran à l'envers, décider ça c'est une tenue acceptable, ça c'est une tenue qui ne l'est pas. Donc je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des difficultés. Je pense que quand elles arrivent, vous devez les régler par la discussion. Et donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense, et d'ailleurs l'interview qu'on est en train d'avoir, elle est en train de le démontrer, qu'on est peut-être pas obligé sur ce type de sujet, traitons-les par les discussions localement quand il y a des situations qui se présentent. Karl Marx, c'était assez clair. Hein, la critique de la religion est la condition de toute critique. Mais puisque vous dites que ce n'est pas religieux, si vous êtes devenu, ça vous permet de pas avoir si vous êtes devenu marxiste, Apolline de Malherbe, ça m'intéresse. Mais vous savez, dans ce cas-là, je vous propose de lire Karl Marx en entier. Et Karl Marx, il dit par exemple que le système capitaliste est un système qui appauvrit, c'est un système qui exploite les êtres humains et la nature. Et comme moi je suis effectivement marxiste, je pense qu'il faut lutter contre donc ce système capitaliste. Donc vous pensez comme lui que la critique de la religion est la condition de toute critique. Mais on a tout à fait le droit de critiquer la religion et je suis très attaché au fait qu'on puisse critiquer la religion dans ce pays. Mais je dis attention, ne confondons pas la critique d'une religion avec la stigmatisation des personnes qui la pratiquent.